Le petit-fils de Robert De Niro est décédé à l'âge de 19 ans le dimanche 2 juillet 2022. Nommé Leandro De Niro Rodriguez, le jeune homme était le fils de sa fille adoptive Drena De Niro, née Drena Abbott. Le 8 mai 2023, à l'âge de 79 ans, Robert De Niro a accueilli son 7e enfant, une petite fille nommée Gia Virginia Chen De Niro, née de ses amours avec la médaillée d'arts martiaux Tiffany Chen. L'euphorie de cet heureux événement n'aura toutefois été que de courte durée pour l'acteur américain qui vient tout juste de perdre son petit-fils, Leandro De Niro Rodriguez. Le jeune homme décédé à l'âge de 19 ans était le fils de Drena De Niro, sa fille adoptive née Drena Abbott. C'est cette dernière qui a annoncé la nouvelle via son compte Instagram dans la soirée du dimanche 2 juillet 2023. En légende d'un cliché laissant apparaître le défunt, la maman en deuil et note, mon bel ange. Je t'ai aimé d'un amour indescriptible depuis le moment où je t'ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et réel dans ma vie. J'aimerais être avec toi en ce moment. J'aimerais être avec toi. Je ne sais pas comment vivre sans toi mais je vais essayer de continuer et de répandre l'amour et la lumière que tu m'as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et apprécié et j'aurais aimé que l'amour seul puisse te sauver. Je suis tellement désolé mon bébé, je suis tellement désolé @Carlos Maré, le père du garçon, note de la rédaction. Repose en paix au paradis éternel mon garçon chéri. Un avenir dans le cinéma. Les circonstances de sa disparition n'ont cependant pas été révélées. Dans les commentaires de la publication, les hommages des proches pleuvent. À l'image de son célèbre grand-père, Leandro De Niro Rodriguez semblait vouloir faire carrière dans le cinéma. En 2018, il apparaît notamment au casting du long métrage Star Is Born, qui met en vedette Lady Gaga et Bradley Cooper. Il incarnait le fils de George Noodles Stone, interprété par Dave Chappelle.